petite bataille, un petit retrait. C'est le ministère de la cabinet, juge Alviniel, dimanche. C'était dans quatre petits dossiers pour tout ça. Bon, c'est dans quatre corruptions, surtout qu'à passer dans le CNE. Donc, moi, je suis venu, dans des, mais comme ancien responsable, parce qu'elle dit un bagage aujourd'hui, c'est pour la première fois que je m'apprends. Et en principe, les pagues au Parlement, dès que vous passez trois mois par ministre, vous êtes responsable. Mon ministère, en tant que responsable ministère là, et il était besoin de poser des questions, mais comme nous avons une instruction secrète, il y a des choses qui vraiment le deuxième juge d'instruction basé, moi dimension de très haut niveau. Donc et chaque fois moi dimension comme ça, moi la justice comme ça dans le pays, ça étonne. Donc ce n'est pas n'importe qui juge qui tape et questionner, donc nous parler sans ne pas gagner des femmes méchanceté, mais l'idée que bah il fait suivant les normes et que la paix suit dossier elle veut tout respecter. Par exemple, il dit mon bail là je dis bat et usurpation des fonctions, donc moi même bat comme ça et donc il apprend moins et des bagages apprend moins. Je souhaitais parler de eux pour tout le monde connaître. Ça veut dire que ça a eu pas de fonction. Est-ce que c'est parce que il n'y a pas de parlement ou bien il estime que dans le moment, il va devoir agir pour l'État? Non, immédiatement pas de parlement après trois mois. Et après trois mois, que et pas qu'un ministre encore. Et c'est ça qui fait tout. M'apprendre que pas de chef là, je viens de payer. Est-ce qu'il n'y a pas de chef selon le même ministre? C'est pas selon le même ministre. D'après formation et m'apprendre, son coup de ça, dire. Et comme des. C'est votre instruction, c'est ton coup? Son instruction, mais en même temps. Et nous n'avons pas de rapport avec ça. De qui c'est le ministre de Vindrine? Ancien ministre de la République, tous les anciens ministres de la République devaient questionner. Ah bon? Vous voulez vous répondre à ce sujet encore? Autant de fois le besoin, autant de fois m'a fini. Merci, merci tout le monde, merci. Moi, je suis fait sortir, hein? Donc, il y a un pile de monde qui a été épinglé. Mais étant donné que le ministre Nader, c'est des anciens ministres des travaux publics, vous connaissez le CNE. Donc, il y a un petit rapport, il y a un petit lien étroit. Entre le ministère de la République et CNE. Donc ça veut dire le cabinet de suivi a besoin d'entendre l'ancien ministre pour connaître qui ça qui a gagné entre lui-même comme responsable, ancien ministre PTC et CNE. Donc moi je ne vais pas aller dans le fond d'instruction parce qu'il y a une pile question qui est posée. Juge, excusez-moi, ancien ministre répond toutes questions. Et juge d'instruction lui-même lui m'a dit nous pour nous capables de disponible et nous sommes disposés et disponibles pour nous capables de présenter devant à n'importe quel moment donné. Donc disons instruction pour terminer en nous aider là pour aujourd'hui, moi dis bien pour aujourd'hui, mais nous sommes disposés et disponibles à paraître devant lui à n'importe quel moment pour être capable de auditionner nous sur les questions de la corruption et sur rapport du LCCR.